sur GTA 5 avec la team, pardon. Ouais, donc, bonsoir. Aujourd'hui, il y a un truc spécial. Donc, il y en a, je sais qu'ils vont dire que la team, ouais, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, Je sais. Ça part en cacahuète. La team part en. Ouais, en steak. En cacahuète. En cacahuète, ouais. Et donc. En double. Donc, si vous avez bien entendu, il y a Yannis en partie vocale. Ça veut dire qu'il est revenu dans la team, bien sûr. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec Tony et Nolan, parce que du coup j'étais chez lui, mais on s'est rendu compte plus avec Tony que on avait fait une erreur de le virer de la team. Voilà, parce que je vous l'avais dit, hein, on vous l'avait dit en vidéo, il y avait un problème, il y avait eu un problème, mais apparemment, ouais. Ben, on était trop vite dans le truc. Et en plus, depuis qu'il est dans la team, voilà, il a fait qu'une erreur, alors que il y a plein d'autres gars qui sont venus dans la team qui ont fait plus d'erreurs que lui et qu'on l'a pas viré pour autant. Et lui, on l'a viré au bout d'une erreur, donc voilà, ça se faisait pas trop en fait. Et donc c'est pour ça qu'on avait bien réfléchi avec Tony, enfin avec la team quoi. Et on s'est dit bah, pourquoi pas le remettre dans la team. Et donc voilà, donc on l'a remis, donc ça fait deux jours qu'on. Deux jours. Ouais. Deux jours qu'il est revenu. Et donc voilà. Donc j'espère que cette annonce vous fera plaisir. Ouais. Après je sais que y en a ils vont penser ouais la team elle est vraiment nulle parce que. C'est vraiment de la merde parce que voilà, y'en a ils viennent, ils partent, je sais. On n'a pas encore trouvé notre stabilité, on va dire. Comme les grands youtubeurs, hein. Bah, j'ai cité mon meilleur youtubeur, mais comme la salle, voilà. Lui, au moins, il reste à 3. Et puis, il y en a, tu sais, ils quitteront jamais la team, mais ils rajouteront jamais des gens. Donc, eux, ils sont stables. Mais nous, on n'est pas encore stable, on n'a pas encore trouvé les bons, quoi. Les vrais. Parce que malheureusement, voilà, notre team, il y a eu beaucoup d'arrivées, et malheureusement, il y a eu beaucoup de départs. Voilà, donc tout le monde le sait, hein, je vais pas reciter les noms, mais beaucoup de personnes le sachent. C'est comme un train. Hein ? C'est comme un train, en fait. Ça va à la gare et ça repart. Ouais, ça va beaucoup la gare. C'est beaucoup d'arrêts là. Après, ils ont pas refait retour. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, je vais pas reciter les noms, hein, mais voilà, vous le savez. Mais après, il y en a voilà qui sont venus et qui sont partis, malheureusement. Hein. On leur a laissé des chances, mais malheureusement, ils ont. Bah, ces chances-là, ils ont pas utilisé quoi. Et donc voilà, donc on n'a pas encore trouvé notre stabilité de dans la team, hein. Enfin pour l'instant notre stabilité, enfin pour l'instant notre team a des bases, on va dire, il y a moi et Tony, c'est sûr. Ouais. Après Nolan, pour l'instant il y a une cône brun, donc voilà. Sinon en fait faut qu'on se connaît dans la vraie vie pour venir dans la ouais bah attends, en fait, ouais je dis oui dans la team que si on connaît ouais. Tu sais que si on peut avoir confiance et que si comme on connaît nous, en vrai ouais en IRL, mais... ouais bon ouais, c'est important, donc voilà, ouais, on a pour l'instant moi et Tony on a trouvé des bases stables dans la team parce que voilà moi je suis c'est celui qui a créé la team, j'ai pas dire le chef mais c'est celui qui a créé la team et puis Tony bah depuis que dans la team bah, il va tout le temps voilà il bug jamais tout ça donc lui il est stable donc entre guillemets pour l'instant il y a que moi et Tony qui sont stables parce que vous remarquez bien dans la team hein, il y a en ce moment voilà il y avait que moi et Tony mais là ça va changer oui. Ensuite Yannis depuis qu'il est dans la team c'est stable aussi lui Yannis mais malheureusement on a fait une erreur on l'a viré mais là il est revenu rien. Donc je pense qu'il y aura 3 personnes de stable là je pense. Et j'espère enfin que ça va durer et qu'il n'y a personne qui va partir, hein, j'espère vraiment. Parce que j'avoue, hein, même nous on le dit, hein, même nous on le dit qu'il y a trop de gens qui quittent et il y a trop de gens qui viennent, enfin. Non trop de gens qui quittent surtout, mais même nous on le dit hein, que ça va pas, que il y a trop de bordel. Donc voilà, donc faut espérer que ça sera stable, j'espère hein, que ça sera stable. Mais voilà, enfin pour l'instant, là ça va commencer à être sérieux parce que voilà, Yannis il revient. Enfin, après Yannis, on va pas compter l'erreur qu'on a fait, hein, mais on va dire que lui est stable aussi parce que voilà, depuis qu'il est dans la team, enfin, même avant qu'il était dans la team, ouais, il était tout le temps avec nous. Même avant d'être dans la team, on l'avait fait galérer, je me rappelle pour être dans la team.
Mais il était, il était stable, ouais. Lui aussi était stable. Après Nolan, bon voilà sa co, voilà c'est pas, c'est pas trop ça, mais quand il y aura une meilleure co, ben il sera stable aussi lui aussi. Après voilà, c'est pareil, on va tous les gens de la team Anton en pareil, il va, je pense qu'il va recommencer à revenir, mais voilà après faut vraiment quoi, ça va être stable je pense, enfin en tout cas je l'espère. Mais en tout cas, en ce moment, voilà, comme vous avez pu remarquer, bah, y avait que moi et Tony de stable. Mais c'est vrai que j'avoue que la team part. Voilà, c'est le bordel quoi, hein, c'est le bordel. Mais on pourrait y faire, hein, c'est comme ça. Après, on aime bien des gens, on aime pas des gens. Enfin, c'est pour ça qu'on en vire ou c'est pour ça qu'on en reprend. Hein, voilà. C'est après comprenez-nous aussi qu'on va pas garder des gens que tu, enfin tu sais qu'il y a une mauvaise ambiance dans la team ou quoi, que tu sais on va pas les garder. Plus on est, plus on rit. Ouais plus voilà. On est, et même on va pas garder des enfin après les gens qu'on a virés, voilà c'est pour une bonne raison. Et après on va pas en garder juste pour faire plaisir, alors que tu sais il y a pas une bonne ambiance dans la team ou quoi, que l'ambiance c'est de la merde. Voilà, nous on fait tout pour les vidéos, tout pour vous et aussi enfin aussi pour nous, parce que dans la fait aussi pour la team, voilà. Donc c'est pour ça. Donc j'espère vraiment qu'elle sera stable là. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de nouveau départ de la team. J'espère vraiment. Non, on croise les doigts. Normalement non. Ah. Mais on verra bien. On verra bien. Mais voilà. Donc en tout cas Yannis revient. Donc on a fait une erreur. Mais peut-être que. En fait il y a eu un problème. Voilà, il y a eu un problème. Je l'avais expliqué en gros. Mais il y a eu un problème avec Yannis. Et en même temps on s'est mal compris. On s'est mal compris, enfin nous trois, on s'est mal compris, voilà, malentendu. Et du coup ça a fait que voilà, ça a fait que nous on a cru des choses et que Yannis a cru des choses. Et donc voilà, donc c'est un peu parti en cacahuète. Et donc voilà, donc après bah moi et Tony on dit clairement on regrette notre choix, hein, c'est pour ça qu'on l'a fait revenir. Mais en voilà. Fait, en fait il voulait faire un canular, un prank. Ouais, dis-moi, ouais, samedi, ouais. Et après, on s'est dit pourquoi pas le reprendre. Voilà. Ouais, depuis qu'on l'a viré, en fait, bah, moi je repensais à le remettre, hein, mais parce que. Ouais. On voulait pas trop le dire, mais. On savait que c'était une erreur, mais en plus, voilà, en plus, Yannis, hein, par rapport aux vidéos qu'il fait avec nous, il y a. Enfin, même hors vidéo, hein, on vous le dit. On était moins, mais hors vidéo, il a jamais fait de crasse ni rien, il est. Ouais, il a toujours été sympa, il a pas fait un seul truc bâtard, il a pas fait un seul truc de. Voilà, mal quoi. Et donc, ce serait con de. En fait, on s'emballait trop vite quoi. Ce serait con de. On était con de l'avoir viré juste pour une fois, juste pour une erreur. Alors qu'il y en a des. Il y a des gens qui sont passés dans la team, alors qui sont restés plus longtemps quoi. Alors qu'ils avaient fait de plus graves erreurs quoi. Mais donc voilà, donc maintenant. Voilà, pour finir sur ça, maintenant tout va mieux, hein. Bah, tout va mieux. Donc la team va être remplie là dans pas longtemps. La team va être remplie, on va avoir des bons délires. Aussi, on va lâcher une info, mais dans quelques jours, il y aura peut-être une arrivée. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais, s'il te plaît, tu peux me mettre dans la team. Mais désolé, hein, enfin, non, ils vont me dire, t'acceptes que ce que, enfin, tu m'as, moi je t'ai demandé mais tu m'as dit non parce que tu disais oui ou non à tout le monde. Mais après voilà, je, enfin pour me défendre, on prend que les gens qu'on connaît en vrai déjà, qu'on connaît vraiment bien, hein, pas qu'on connaît un peu, hein. Là Yannis on le connaissait vraiment bien, celui qui va arriver peut-être, enfin on le connaît vraiment bien, enfin on est proche de lui, donc on invite que les gens proches. Et donc là on va être, si tout le monde vit, on va être 6 dans la team, enfin non. On va être 5 parce qu'il faut attendre que Nolan y ait Mergo. Mais voilà, on va être 5 ou 6. Donc la team, ça sera blindé, hein. Ça sera blindé à mort quoi. Mais franchement, voilà, il va avoir des bons délires. Donc comme je vous dis, il faut croiser les doigts pour qu'elle soit stable. Mais franchement, si on va tout faire pour que la team s'entende bien, qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. On va tout faire pour ça. Pour qu'il y ait une bonne ambiance, et puis voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir que Yannis revient. J'espère aussi que ça va vous faire plaisir que tout le monde va revenir, toute la team va être regroupée.
Et par voilà, contre... donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nanny, ça suit au make-up comme d'habitude. Hein. Voilà, ouais, comme tout. On fait 3 millions d'abonnés. C'est un petit, ouais, voilà, c'est un petit rituel à toutes les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la mienne aussi. Mettez la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent. Et voilà. Donc on se laisse là-dessus. Nous on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.